ne sais pas si c'est masculin, si c'est féminin. Si je devais donner cette couleur à un signe astrologique, je pense que le violet sera pour les Gémeaux, le bleu et le rose, le mélange des deux couleurs des deux personnes, le Gémeaux, et ça donne du violet. Je pense que la couleur violet pour un Gémeau, ça lui correspond très bien. Je trouve. Peut-être que je me trompe, mais j'adore donner des couleurs à un chiffre. Sexy. Érotique. C'est une couleur qui est tantôt chaude, mais aussi tantôt froide, puisque c'est un mélange entre eux. Le rouge et le blanc. Mais le blanc pour vous, est-ce que c'est froid ou est-ce que c'est chaud? Le rose s'approche du violet. S'impose comme une des couleurs les plus utilisées. Donc c'est une couleur qui sait s'imposer, qui a du caractère, qui a une souplesse. Je vois vraiment cette couleur comme un signe d'eau. Et le poisson, je l'imagine bien représenter cette couleur rose. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du violet et du rose? Je pourrais vous faire sur toutes les couleurs si vous voulez.
la sensation que ça fait quand on presse. Pourquoi j'ai choisi du rouge violet, pardon, du rouge orange. Et pourquoi j'ai choisi du jaune? Parce que je voulais utiliser des couleurs chaudes après des couleurs froides. C'est une couleur que j'utilise, d'accord. Mais je ne mettrai jamais de cœur jaune. Ou j'offrirai jamais de fleurs de rose jaune. Car ça prouverait. Ou plutôt, ça montrerait quelque chose. Comme si on aimerait se faire pardonner d'une erreur. Je sais pas de ce que tu en penses. C'est sanguin. C'est romantique. C'est l'amour. Car l'amour, c'est beau, mais ça fait aussi souffrir. C'est le sang. Le rouge signifie tellement de choses. C'est une couleur tellement...
force, c'est un caractère dur. J'ai peur de presser et ça. Ça va même pas tenir une vidéo. Ça, je faisais. Je me suis dit, ok, c'est bien. Je prenais ça, je faisais. Ok, cool. Allez, en fait, je le fais tellement naturellement que je ne fais même pas gaffe. Regardez ça. Je sais pas s'ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Ben, je cherche des triggers pour mes abonnés, tout simplement. Hey. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo. J'ai eu énormément de plaisir à la tournée.